ce nouveau live sur Céleste. Alors désolé, il a un peu commencé un peu tard, il est 21h37, il a mis un peu de temps à démarrer parce que j'ai un problème avec mon PC portable qui permet d'avoir le chat, voilà, le PC qui me permet d'avoir le chat, et bah il est mort, voilà, il cherche plus et voilà. Donc pas de chat ce soir, enfin si j'aurai le chat, vous inquiétez pas, mais voilà c'est tout. Donc au moins on m'entend, c'est cool, j'espère que vous m'avez pas trop entendu. Voilà, mais je vais devoir faire ça au téléphone. C'est chiant, parce que... Voilà. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va jouer à Céleste. J'ai coupé la musique. Voilà. Donc c'est parti, nous allons faire Céleste. Et j'étais aussi en train de prendre les jeux de la semaine sur l'Epic Store. Où cette semaine, c'est The Endless Night et Abzu. Voilà. Et donc, j'ai récupéré ces jeux-là. Donc, on fera ça. On découvrira Abzu peut-être demain. Si, parce que j'ai aussi prévu un autre truc pour demain. Si je peux pas le faire, on fera Abzu demain en live. Et lundi, on fera The End is Night, mais que je connais déjà. Voilà. Donc, je lance Céleste tout de suite. Le problème, c'est que bah, je ne vois plus de retour vidéo. Je n'ai plus de retour. Donc le truc, c'est que je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Voilà. Je vais tout de suite me remettre le retour. C'est pour voir si vous avez l'image. Ma manette, comme d'hab. Toujours la manette pour Ave. Attendez, j'ai mes cheveux qui gênent dans le micro. C'est en train de taper le micro de ouf et tout. Ah, c'est le problème des cheveux. Là, voilà, bon putain, mais ta mère les cheveux là. Oh, je t'ai derrière. Ah ouais, Link se bat avec ses cheveux. Tout va bien. J'aurais dû me les attacher, je pense. Ça aurait été plus simple. Je n'ai pas d'image. Donc, dites-moi dans le chat. Tout va bien. Parce que moi, je vois qu'il n'y a rien du tout. J'ai un peu peur que j'ai foiré mon truc, donc je vais lancer le jeu et on verra bien. Vous n'avez pas l'air d'avoir d'image. Ça, vous n'avez pas d'image? Bah oui, parce que je suis con. Si je désactive le truc, la source, c'est sûr que l'image n'arrive pas. Et on va lancer le jeu. Là, vous devez voir, vous allez bientôt voir un truc. Ça veut bien. Je vais quand même revérifier si c'est bon. Vous avez l'image. Vivement un deuxième écran, comme ça j'aurais pas besoin d'avoir tout ça. Mais le deuxième écran, ça va être un peu chaud. Il faudrait que je déplace un peu mon écran et que je range mon bureau et tout le bazar. Donc grimper, on s'en était arrêté à l'endroit où j'étais durant au boss. Ouais. Oh merde, c'est vrai. Remettre les contrôles en main. Alors c'était arrêté dans... Il faut vraiment que je peux remettre les contrôles en main. On s'en était arrêté là. Merde, comment on fait ça pour ça tenir? J'ai aussi baissé le son de mon mic de mon casque. C'est super fort. Un peu détruire les oreilles, j'espère que niveau son ça va. Thank you.
manette qui déconne, putain, manette à la con. Un magasin. Ça a sonné. Ah, c'est un téléphone. Le téléphone qui sonne. J'espère que niveau son c'est bien, je vais voir tout de suite. Ouais, niveau son ça va. Allô ? Adeline ? Tu as fait une cabine ? Oui ? Non, attends. C'est toi qui appelle. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe, j'ai des ennuis. Je suis poussé par quelqu'un. Je comprends pas bien ce qui se passe, mais je me sais en danger. Tu le sens? Adeline, appelle. Que quand tu paniques au milieu de la nuit? Inutile d'inventer des histoires ridicules pour attirer mon attention. Je n'invente rien. Tu ne changeras jamais. Chut. Ça va. Excuse, chérie. Je t'écoute. Je grimpe le Mont Céleste. Je trouve un étrange miroir. C'est des amis. Une partie de moi s'en est échappée et... Je fais un rêve, n'est-ce pas? Adeline, bien sûr. Je fais un rêve. Je ne t'ai pas parlé depuis des mois. Pourquoi commencerais-je maintenant? Pourquoi gravir cette stupide montagne? Oh putain, il est de retour. Oui, c'est parti. Je me pose la même question. Il est temps d'abandonner et de rentrer à la maison. Ouah, ça c'est vachement bien passé. Je me suis bouffé. Je me suis fait bouffer par le truc. Je me suis fait... Oh bah c'était un rêve, voilà. C'était un rêve. C'était bien un rêve ce qu'il faisait. Oh, il y a un truc en haut. Monsieur, faut qu'on aille le retrouver. On va aller voir s'il y a un truc à droite. Parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien explorer. Ah bah on va voir le mec avant. Il va nous dire un petit truc sympathique. Salut à toi, camarade voyageuse. Ah, salut. Toi aussi, tu viens pour étudier les vieilles ruines? Non, je viens pour monter au sommet. Waouh, c'est de la folie. En fait, je m'appelle Théo, je suis un aventurier d'un pays lointain. Tu n'es pas très bavarde, n'est-ce pas? Genre l'eau solitaire et mystérieuse, j'ai compris. Je n'ai qu'à imaginer ton sombre passé.
Sobre. Bah, je suis sobre. Je ne bois rien. Je suis en train de. Je trouve que c'est pas là qu'il faut aller, mais c'est pas grave. Ça va, je suis juste un peu submergé. Oh non, tu fais encore une crise de panique? Pense à bien respirer, ma chérie, je suis là. Que se passe-t-il? Elle va lui raconter l'histoire. Je te raconte l'histoire. Ah non, ce chapitre fini. Cool, on a fini le chapitre. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va passer. On a récupéré 5 sur 18 et on a eu 64 morts. Ah. Cette phase B débloquée. Oui. Phase B. Attends, les autres, il n'y a pas de phase B. Et là, on a eu combien de morts? On a eu 78 morts. Et pour là, on a eu rien du tout. On va faire la suite, allez. On est parti pour l'hôtel, la station céleste. Alors, je le fais pas à 100%, on va juste finir. Sois fier de ton compteur de morts. Plus tu meurs, plus tu apprends. N'abandonne pas. Ça c'est bien, ça c'est une très bonne un très bon un très bon, comment on peut dire ça, très belle phrase. Oula, il faut que je fasse gaffe à ces trucs et je meurs comme un con. La manette c'est des coups. Yeah.
un truc en haut. Oh le con, putain. Moi je veux aller. Voilà, moi je suis quelqu'un. Ah oh, bah Axel reste avec moi. Je suis quelqu'un qui veut bien explorer. Si je veux explorer, bah je meurs. Oh, on est dans une espèce de. J'ai pas vu ce qu'il y avait. Bienvenue, puis-je vous aider? Êtes-vous un fantôme? Un fantôme? Présenté. Je suis le gardien de cet excellent établissement. Bienvenue à l'hôtel Station Céleste, connu dans le monde entier. Monsieur Oshiro, à votre service. Du client d'un jour, les affaires reprennent enfin. Combien de temps resterez-vous parmi nous? Oh, je ne fais que passer. Je gravis la montagne. Vous avez une sortie de secours? Sortie de secours? Vous savez que je vous entends, n'est-ce pas? En tout cas, notre porte de service de derrière est réservée au personnel de l'hôtel. Et notre suite présidentielle au premier étage offre une vue imprenable sur le pic. Vous y serez très confortablement installé. De là, je pourrais peut-être accéder au toit et descendre par derrière. Je dois vous enregistrer. Et votre. Je m'appelle Madeline. Mais je répète que je n'ai pas du tout l'intention de rester. Par ici, mademoiselle Madeline. C'est bien un fantôme. Il écrit quoi? C'est un livre d'or très ancien et tout sérieux. Les pages sont abîmées et il en manque beaucoup. Cependant, les commentaires sont élogieux. Nous n'oublierons jamais notre séjour. Je n'ai jamais été aussi en paix. Merci. Ah oui, c'est le livre d'or. Ah oui, d'accord, c'est la petite pochette. Chat que j'ai eu.
passé des heures à essayer de... trouver comment y aller. Ah mais bah oui. Je peux pas dasher tout de suite. Bon, c'est pas grave. Veuillez me suivre de près, mademoiselle Madeline. L'ascenseur est au bout du couloir. L'hôtel est plutôt dans sale état. Il est vraiment ouvert aux clients. Bien sûr, il est ouvert. La station Céleste ne fermerait jamais pendant la pleine saison touristique. Je vais le dire par là. Bon, laissez-moi vous porter votre valise. Mon sac. Oh merci, je vais le garder. Très bien. Cliente.
Super Meat Boy MDR. Enfin un truc presque. Jouer à Céleste. Voilà. Ok. Attendez, ça s'accroche pas. Fait des wall jump, ok. It's wall jump time. Voilà. J'ai compris comment récupérer. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'était chaud. Yeah. Ah là, y a pas besoin, pas le droit au. Oh merde. Ah, attendez. Ah, ok, j'ai compris. Voilà. Maintenant, on repasse. C'est bon, vous dire, je suis vraiment heureux de moi. Merde. Oui.
contre le ballon, il fait quoi? Ah d'accord, il permet d'avoir un deuxième, le deuxième dash. Je suis quand même assez fort. Est-ce qu'on peut monter sur les nuages? Oui, on peut monter sur les nuages. Alors, pas le droit au dash. Ok, j'ai compris comment récupérer. Le deuxième, c'est les nuages en haut là. Putain, il faut y aller en mode wall jump sur le mur et il faut bien timer le truc. Parce qu'il y a l'autre après. Ah merde, attendez. C'est pas grave. On va essayer bien de timer le truc. Trop tôt. Merde. Ouais, j'essaie de tout récupérer, quand même. Parce que sinon c'est trop simple. Ah, on a eu un mauvais timing. Ah merde! Ah, je me suis tapé le bord de la plateforme. Mais sinon, j'ai à peu près le timing qu'il faut. Voilà, et là on n'a pas le droit au dash. Okay. Celeste Mountain, this memorial to the spirits on the screen. Ah oui, d'accord, c'était tout con. Fallait juste dasher juste au-dessus du truc pour le récupérer. Tout va bien. Tu fais pour avoir la clé là. Vas-y. Merde. J'ai compris comment tu fais pour récupérer la clé. Faire un tout petit saut. Ok, mais là c'est bien. Géré. La 1300. J'ai récupéré la clé mais je n'avais... Et vu que je suis mort, bah, le coffre s'est refermé. Et la clé a dit ta gueule. Comment on fait? Bien ça. Vous savez quoi? Récupérer le coffre, ça me paraît. On va pas le récupérer ici, c'est pas grave. Ah mais faut faire direct. Voilà.
Ah, j'ai compris. Ah, mais... Apprendre à y aller aussi. Ah! Ah putain! Ah, il y en a combien? Ça fait déjà 7 minutes 30 que je suis sur cette merde et je n'y arrive pas! Mais pourquoi il y a... Ah bah putain! Ah, la rage commence! Mais pourquoi tu fais pas de wall jump? Et là, t'y arrives! Où je me pèse, c'est ça? Et comment tu fais pour passer là? Ah non, j'ai compris comment faire. C'est tout con. Enfin, je pense. Arrête de faire ça! Je voulais pas sauter, putain. Je vais la récupérer. Oh là là, c'était joli. Putain, ça va être chaud ça. Waouh, waouh, waouh. Un timing très serré. Non, il faudrait pas dasher ici. La manette, merci beaucoup. Non, mais c'est tout con. Même pas le timing a pas besoin d'être si serré que ça. Voilà. Et voilà. C'est tout con. Hein? En train de me dire, ou alors faut le récupérer, ou alors, d'accord. Ah, j'ai compris. Ah, si, j'ai compris. Mais faut pas. Oh, mais c'est chaud, la manette se déconnecte. Ah, non, mais oh. Bah oui, attends quand je vais sur le reprendre. Ah, regarde. Quand je vais sur le trampoline, je reprends du dash donc. Oh là, j'y suis presque. J'y étais presque. Là, j'ai pas attendu qu'il me. Putain, encore un peu trop tôt, voilà. C'est impossible de récupérer ce ballon. Non mais c'est déjà. Mais non mais va faire diagonale, connasse, diagonale. Voilà. Oh, on peut... ah il y a des. Putain, j'avais pas vu le nuage. Oh. Ouais, c'est que j'avais pas vu les nuages là. C'est pour ça que je disais que c'était impossible. Ouais, faut toujours regarder son environnement de jeu. Non ! Pourquoi il est parti en diagonale ? Quand je veux qu'elle aille en diagonale, elle va pas en diagonale. Quand je veux qu'elle aille en diagonale, il va pas. Ouais, j'ai fait de la merde. Parce que là, il est parti totalement en couille. Oh là là. C'est la manette. Quoi?
J'aime quand ça se passe sans accro. Sauf que là, bien calculer le truc. J'essaie de récupérer la clé, mais... Pour vous dire, il y a cette flip de tomber dans le vide. Et après de mourir. Bien gérer le truc. Mais pourquoi il est parti en diagonale en bas? Putain. Un mec qui me complique la vie totale. Bah, oui, là. Bien sûr. Ah. Non, mais. Pourquoi je suis parti du mur? Hein? Attendez. Ah mais putain, pourquoi tu vas toujours taille en haut et arrête de... Je rappuie sur A direct. Oh, il est allé en diagonale. Il a dû... On avance. Oh bah là on avance que dalle. Oui. Oula, oula, oula. Réussi. Je sais pas ce que ça fait. On a les cheveux. Ah, on peut faire deux dash. Trop bien. Un truc sans dash. Quand tu veux récupérer. Je sais pourquoi il veut pas en faire deux. Putain, ça a été compté récupéré, c'est cool. C'est la manette. Oh mais merde. La manette c'était quoi encore une fois? Oh ça m'énerve. Je vais quitter Pico 8. Maintenant disponible dans le menu principal. Ah cool. Donc on peut y jouer dans le menu principal. Eh, hey, j'ai deux dash maintenant, c'est ça? Non, j'en ai qu'un. Arrête de fumer. Il y a peut-être un truc dans ce trou. Que dalle. Donc on va aller en bas, vu qu'on a débloqué en bas. Thank you.
droite, mais c'est pas grave. Waouh, j'ai fait de la merde. Je vais le dire. Je vais écrire dans le chat. J'aime bien faire de la merde. Je n'ai pas encore pensé que je me sens déjà l'esprit.
obligé, c'est le pouvoir de la pensée positive. En fait, j'ai déjà fait un peu de ménage pour vous. Oh oui, merci, mademoiselle Madeline. Et je vous en prie, reposez-vous et laissez le personnel s'en occuper. Je vous explique, si tu veux, tu vas la perdre. Les clients ne sont pas là pour perdre leur temps avec le ménage. Vous allez bien? Oui, bien sûr. Vous ne serez jamais plus reçu dans un meilleur hôtel. Vous allez voir. Comment je peux me laisser monter pour tous ces problèmes? Allez, ok. Il reste deux à faire. Il fait quoi lui? Léo, toi aussi tu es client ici? Waouh, je suis trop content de te rencontrer quelqu'un. Genre à fois il est hystérique et demandé, ça devient trop réel. Il y a définitivement quelque chose de bizarre ici. En fait, je m'appelle Madeline. Excuse-moi si je suis un peu sauvage comme peur, mais je pense à plein de trucs. As-tu parlé à monsieur Oshiro? Je crois qu'il aurait vraiment besoin d'aide. Tu crois? Il est cinglé. Je crois qu'il est en train de parler un temps caché dans le corps. Il est rampé dans ce conduit. Il souffle de l'air froid qui vient de l'extérieur. Bien. Monsieur Oshiro est perturbé. Je ne crois pas qu'il nous fait du mal. Pas juste pour manger ce désordre. Je peux l'aider. S'il plaît, gentil, c'est dangereux. Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on a perdu, mais c'est un vieux cinglé. On n'est pas préparé à ça. Oui, je change la voix aussi. Je crois pouvoir communiquer avec lui. Vas-y, je te rejoindrai plus tard. Bon sang, tu es encore plus têtu que ma sœur. Ne le croyez pas, ça possible. Qu'est-ce qu'il va me faire? Fais attention à toi. Merci Théo, je te retrouverai demain. Allez, vas-y Théo, go ou dans le conduit. Faut trouver le bon timing déjà. Pas faire de la merde. Je l'ai souvent fait. Ouah, mais c'est chaud ici. Il y en a un qui va plus que l'autre. Oh, j'avais oublié celui-là. Je l'ai passé la première fois et je fais. C'est impossible de passer ça. Faut être un ninja dans l'âme là. Ah putain, fallait pas dâcher. Merde, j'avais pas vu ce fruit de la passion. Petite fraise, mais c'est pas grave. Ah, j'ai compris ce qu'il faut faire. Mais pas ça. Hop, pas ça. Ah mais là, t'es trop tôt là, t'es trop tôt. Putain! Voilà.
Ah, je suis mort, attendez, je suis pas mort. Tout droit. Oh là. Ça fait
faire de la merde, quand tu fais de la merde, t'en fais toujours. Thank you.
table en fait. Arrêtez de retenter. Retente sa chance. Et là c'est un peu bon la chance. Oui. Oh ça aurait pu le faire, ça aurait pu le faire. Je suis un tenteur de trucs, je tente des trucs de fou. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouais, je retente pas le fruit. Je perds trop de temps à cause de ça. Voilà. Et voilà. Et on range encore cette salle. J'ai tout passé sur le portable. Sur les trois. Il reste une demi-heure ensemble. Vous avez vraiment un don pour disparaître. C'était dur, mais je suis occupé de vous. L'obtestation céleste vous donne ses remerciements pour votre aide, mademoiselle Madeline. Il va sans dire que notre personnel est occupé de ce désordre. Oh, certainement, oui. Quelle humiliation. Vous devez être impatient de découvrir votre chambre. Il faut prendre l'ascenseur et vous mettre au bout du couloir. Et puis, flûte, allons-y. Ah merde, je suis en train de complètement changer les voix. Montrez-moi la suite présidentielle. Ça a l'air très bien. Allez, on va partir pour la suite. Oui, c'est dans un ciel. Super ascenseur ne fonctionne pas. Je peux plus faire des trucs à la cour là. Et what? Et oui, mais... Ça peut voir et ça c'est pas bon. Et oui mais faut pas. Et oui je suis. Je viens de comprendre comment passer. Je suis allé un peu trop loin. Vous voyez pas. Le mec prenait l'ascenseur. Oh là, c'était chaud. Ah, c'est le mec de l'aération. Sang, c'est un vrai dédain ici. Comment ça va avec le cinglé? Ah, je vais les nettoyer, mais il a fait son pauvre type avec moi. Il croit toujours qu'il va me convaincre de rester. Madeline, sérieusement. Mon radar a mauvaise idée, ton air un peu rouge sur ce coup-là. Il devrait sortir vite fait. Si je disparais maintenant, monsieur, je risque de s'effondrer. Alors que je pourrais faire quelque chose de bien. Oui, ton karma, Gabi. Je crois que ce mec va s'effondrer quoi qu'il arrive. Tu dois penser à ta sécurité. Yo, ça va, Gabi. Ouais, ouais, je savais que tu aimais très mal. On se retrouve dehors, la prisonnière. Et ouais, pas de soucis, on se retrouve dehors, Théo. Ce livre, ce passage. Ouais bah oui, il y a tout à sauter. La merde. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, ça va un peu vite là. Oh
J'avais pas vu que ça était comme ça, putain. Là où je t'ai répété en disant ouais, bon regardez, là je fais des jolis trucs et tout dans, sur Céleste. Je suis un joueur pro de Céleste et tout. Et bah que dalle. Oh le... Ah oui, bien sûr. Non, j'ai compris comment on a déjà passé la première fois. Bon, après c'est moi qui ai la contrôle aussi, c'est moi qui ai dirigé vers le bas.
Thank you.
Yes. Oh, il y a encore ce putain de miroir là. Moi, c'est notre sujet potentiel, plusieurs fois primé. C'est vraiment la définition même du luxe rustique. Je vous laisse vous plonger dans toute sa majesté. Je comprends que ça puisse faire beaucoup d'un seul coup. Encore ce miroir. Alors, qu'en pensez-vous? C'est beau. Je pense que c'est cher. C'est très spacieux. Les couleurs sont élégantes. On voit que vous êtes consacré beaucoup de travail. Je savais que vous seriez impressionné. Ouais. Alors, je vais accéder au droit à partir d'ici. J'ai oublié de vous dire, l'excellent précieux dont vous pouvez faire visiter une meilleure chambre à moitié prix. S'il vous plaît, mademoiselle Madeline, restez, je vous en prie. Monsieur Oshiro, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Oh fuck! Le retour. Madeline, ma chère, oubliez ce loser. Loser? Vous êtes en plein délit, vieil homme. Cette terre est un outil. Personne ne voudra jamais rester ici. Il fallait que quelqu'un le dise. Il ne pense pas à ce qu'il dit. Je suis très occupé. Veuillez partir, mademoiselle Madeline. Allez, mademoiselle Madeline, tu l'as entendu? Où en serais-tu sans moi? Ne se débarrasserait jamais de lui. Il me revaudra ça. Ajoute-le à la liste. Sois tranquille. Je te croyais pourtant tellement déterminé à poursuivre ta sortie. Et là, tout d'un coup, tu te transformes en thérapeute pour cingler. Mais tu ne t'en vas pas. Madame Madeline, avant que vous ne partiez, je dois vous poser une question. Vous avez décidé d'aimable avec moi pour me quitter maintenant. Et je fais de mal. Oh, avec un peu, je n'en ai toujours pas. Elle est des gens qui ont voulu satisfaire son ego démesuré. Elle ne s'est jamais souciée de vous. Tais-toi, je voulais juste t'aider. Vous êtes pitoyables tous les deux. Pitoyable? Vous n'êtes venu ici que pour m'humilier. J'en ai fini de m'occuper devant vous. Oh mon dieu, il y a un boss. Boss time! Boss. Non, la manette.
Il y a des fuites dans la lombrie du deuxième étage. Pour les populaires, c'est un vrai chaos. Sans parler du coup dans le plafond de la suite présidentielle. Laissez-moi seul. Yes, chapitre terminé. Ah, il était compliqué ce chapitre. Non, pas trop, ça va. J'ai eu combien de... J'ai eu 6 sur 5. Et j'ai eu 225 morts. Mais j'ai débloqué la phase B. Voilà, 325. Waouh. Bah, vous savez quoi? Étape, l'arrêt d'or. On la fera plus tard. Voilà. Donc, Madeline. Ah oui. Il y a d'autres trucs à récupérer que j'ai pas complètement récupéré parce que vous pouvez voir qu'il y a une ligne tout à droite n'est pas prise en compte. Ok. 6 sur 20. 5 sur 18. 6 sur 25. 78, 64, 325. J'ai mis 1h13 pour faire ce truc. Je suis déjà à 2h04. Ah oui, c'est vrai qu'on maintenant on peut jouer au Pico 8. Comme on l'a débloqué. On a débloqué le Pico 8, c'est vrai, j'avais oublié. Donc bah voilà. C'est la fin de ce live. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé. Putain, c'était magique, c'était magnifique comme jeu. Voilà. Donc demain, si tout se passe bien. Un jeu sur lequel bah, j'ai prévu de faire. Sinon, ça va être sur la découverte de Abzu. Et pour ce qui est de Céleste, peut-être qu'on continuera demain, qui sait. On va voir, je verrai bien. Donc voilà, moi je vais essayer de réparer en même temps mon PC qui ne veut plus fonctionner du tout. Ça c'est le truc du chargeur, il est mort.
PC portable il est complètement mort, donc pour le chat faudrait que je trouve un autre moyen. Donc voilà, c'était Link, n'oubliez pas de me suivre, de vous pouvez retrouver mon Discord dans la description de la chaîne Twitch. Vous pouvez me suivre sur Twitter, vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver les rediffusions. Ou voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était Link. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et nous on se dit à demain. Peut-être ouais voilà demain, mais s'il n'y a pas de live, je vous tiendrai au courant via Twitter et peut-être sur mon Discord. Donc voilà. Mais sinon demain, on se retrouve pour un live sur peut-être la découverte. Soit la suite de CS, soit la découverte de Abzu. J'en sais rien encore. On verra bien. C'était Link. A plus tout le monde. Bye bye.